Et salut tout le monde, c'est Tipsyron, nous sommes de retour sur Alien Isolation. On ne perd pas de temps les amis, on est efficace, on avance. On veut voir l'alien à cet épisode. Voilà, je l'ai dit. Je veux le voir à cet épisode. Je veux le rencontrer en 1v1. Ah, déjà ça je peux retirer. Oula. Animation. Oula. Ne bouge pas. Pas un geste. Ok. Ok. Maintenant, tourne-toi. Du calme, mec. Tu veux quoi? Tu veux un shampoing pour te faire repousser les cheveux? Tu veux quoi, mec? T'inquiète. Mon nom est Ripley. Ça va bien. Tu sors d'où, Ripley? De l'extérieur. D'un vaisseau. Y'a pas de vaisseau, ici. Maintenant, si. Bah ça... C'est une bonne nouvelle, parce que ça craint pas mal ici. Il vient d'avoir une explosion, ça a tout secoué dans le coin. 42. Ça. Mais ça, c'est bien le dernier de nos soucis. Ah ouais? Ah ouais? Il y a quelque chose sur la station. Un truc assez incroyable. Mmh. Un tueur, tu comprends? D'accord. Elle est malade ce type. Il est pas sain. Et toi, t'es qui? Axel. J'ai embarqué avec deux collègues. On a fait une EVA. L'explosion nous a séparés. Tu veux bien m'aider à les retrouver? Pourquoi? Je m'en bats les couilles. De connaître les environs. Là, je veux dire, pourquoi? J'y gagne quoi, moi? Une place sur le vaisseau. Ah. Je sais si je peux te faire confiance. Ah, elle s'est négociée, ma meuf. Je trouve le centre de com. J'ai besoin de contacter mon... Elle s'est négociée. C'est bon, ça. Alors là, c'est ton jour de chance. Bon, je veux bien le flingue aussi. C'est parti, poupée. Sixon Communication se trouve dans la tour Systech. Non, déjà, tu m'appelles pas comme ça, de base. De base. Pour atteindre un transit par la zone de fret. Non, mais tu m'appelles pas comme ça. On tombe toujours sur un pépin, là-bas. Okay. Eh bien, je veux tomber sur un pépin, ça tombe bien. Je sais pas si... J'ai envie de m'éterniser ici. Je sais pas si je fais bien de passer par là en premier, étant donné qu'il y a un autre cadenas à droite. Et bon, on va voir. Ouais, il y a peut-être du stuff supplémentaire en fait à droite. Ouais, du coup, vous savez quoi, je vais faire un petit rush à droite et je reviens. Voilà. On doit bien avoir des trucs intéressants ici. Voilà, je pense que j'ai bien fait de faire demi-tour. Il y a du stuff par là. Il y a même des petits journaux type intéressants. Et tu vois ce que je veux dire. Ok. On va retourner voir le poteau. Seul. C'était toi qui me suivais là? Fallait bien que je garde mes distances. On n'est jamais trop prudent ici. Ah, j'avoue, c'était lui le bâtard qui me faisait peur. Reste à côté de moi. Ça te fait rien de faire peur aux gens? Hey, pas un geste. Ok, ok, d'accord. On n'est pas là pour chercher les embrouilles. Vous êtes qui, vous? Moi, c'est John. Ça, c'est Ringo. C'est juste une paire de connards. On a d'autres choses à faire. Allez, viens, Jana. On cherche le centre de com. Vous pouvez nous aider? On n'a pas besoin de leur aide. Tu leur dis rien. Écoute, j'ai réussi à faire marcher l'ascenseur. Putain, ils sont Jana, cons les mecs ici. Okay, je... Entraide absolument pas. Bonne chance. Eh bien, entraidez-vous un peu, je sais pas. Alors là, il y a un coin noir, vous voyez, ça me donne envie d'y aller. Du coup, j'y vais. Je peux savoir à quoi tu joues? Pourquoi tu leur aboies dessus? Tout le monde a les boules. Plus personne se fait confiance. C'est plus sûr comme ça. Bon, apparemment, les coins noirs, il y a du stuff et il n'y a pas de monstres. Du coup... De l'éthanol, formule chimique C4H6O.
Si c'est ça, je suis vraiment chaud. Ok, on passe par où Un petit bro. T'inquiète. Bah vite ma mère. Il y a un vaisseau. C'est bien fait quand même. Hein. C'est bien pensé en fait. Genre même les sauvegardes c'est bien pensé je trouve. Tu permets ? C'est un vieux machin. Faut un doigté spécial. Fais le mec. Eh ben, qu'est-ce que t'attends comme ça ? Appuie sur le bouton. Taras, il avait pas écrit. Ah, j'ai envie de lui mettre une fumigène dans la gueule. Que tu me dises ce qui se passe ici. Et tout de suite. Écoute-moi bien, mon petit. Si tu veux, quand on retournera sur le vaisseau, on pourra se détendre, se faire notre reste dans les cheveux et papoter autant que tu veux. Ouais, quand on sera sur mon vaisseau. J'ai besoin de savoir ce qui se passe et pas dans 107 ans. Ok. Comme je te l'ai dit, il y a un tueur dans les parages. Un tueur? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai pas vu, mais il est ici. Ça c'est sûr, il nous chope un par un. Tu me parles de quoi? Un psychopathe? Un dégénéré? Non, oh non, 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 bien pire que ça. Elle a quand même capté que c'était un monstre. Que c'était pas un truc humain. Je sens la couille arriver. Je la sens venir là. Je la sens tellement venir. Merde. Et quoi ça? Faut qu'on décampe. Par là, baisse-toi. C'est des conneries ça, putain. On ferait mieux de chercher une sortie. T'es complètement dingue. Y'a aucun moyen de sortir de cet endroit. Au moins ici, on est en sécurité. Vas-y, mets leur des gros headshots. On fait quoi s'ils nous tombent dessus, hein? Bah on leur tire dessus. Maintenant ferme-la, t'es en train de me faire flipper. Non. Donne-moi ton flingue. Je suis sûr que tu sais pas t'en servir. Descends-lui. Va falloir qu'on fasse le tour. Suis-moi. Ok, let's go. Ouais, bon. En fait, c'est lui qui est vénère avec tout le monde en fait. Tu signes ton arrêt de mort. Leurs flingues sont pas là pour faire joli. Il faut que quelqu'un agisse. C'est ce qu'ils font. Entre nous, on appelle ça l'instinct de survie. Ils s'entretuent quoi. Sauf qu'il y a un alien à bord, ils s'entretuent. La peur, ça rend les gens complètement seuls. J'avais remarqué. Pas seulement cinglés, cons aussi. Je sais pas si t'avais remarqué c'est ça aussi. Là-dedans que tu vis? Excuse-moi, mon majordome est en vacances. Prends tout ce que tu veux. T'auras peut-être pas d'autre occasion de le faire par ici. Débarque. Ça va, t'as le sens de l'humour. Si tu veux, on peut rester ensemble. Ça va faire une semaine que je me terre ici en attendant un vaisseau. C'est peut-être vous que j'attendais. On peut faire vachement sombre par ici. Tu devrais prendre cette lampe torche là-bas. Ah oui, ça je veux bien une lampe torche. Faire le plein de piles avant de partir. Bon, je commence à bien l'aimer en fait ce gars. Ça va. Elle est où sa lampe torche? Elle est où ta lampe torche? Allez, t'attends quoi là? Ramasse la lampe torche. Minitas, elle est où? Elle est là. Oh, elle est bizarre sa lampe. Ah d'accord, c'est un casque. Tu feras gaffe de pas l'allumer n'importe où. J'ai pas trop envie qu'on se fasse repérer. On y F va. Pour recharger. Attends. Merde, je sais pas comment on la prend. C'est par là. On a jugé la touche rapidement. C'est F apparemment. Et maintenant, je vais surveiller ce conduit. Il y en a un autre quelque part par là. Non, F, c'est bien pour recharger pourtant. Bah. Et si tu jetais un œil dans le coin, on ira nulle part tant que t'auras pas trouvé le conduit. Oh, voilà. Bon, d'accord. Non, c'est pas ça.
Et on trouve déjà des piles, ça nous met bien. Les piles, ça devait pas trop être un souci. Hein. Pour des jeux comme Outlast, les piles, c'était pas du tout un souci pour moi. Ça, allez. Axel, c'est ça ? Ah, je l'ai trouvé. Ah, c'est là. Vas-y, mec. T'as le skill pour déverrouiller tout ça. Il n'y avait pas des trucs par là-bas. Et... J'ai pu rater des trucs. Ah, je l'aime bien, lui, c'est un bon. Je gère Fougère. Lui, c'est un bon. Allez, passe, mon grand, je te suis. J'aime bien mater ton boule dans les conduits. Oui. C'est pas très prudent de s'attarder ici. Oui, bah, c'est pour ça que je te demande d'avancer, en fait. C'est toi qui t'attardes. C'est comme ça que vous vous déplacez ? C'est comme ça que se déplacent ceux qui veulent rester en vie. Bien dit. C'est le Torrens, ton bien dit. Ça. Chut, j'ai entendu un truc. On entend des trucs H24. Ouais. J'ai tellement envie de les tuer et de prendre leurs armes. Suis-moi. Ils vont pas leur mettre genre une bonne colle à tête shot là, tu vois. Une bonne grosse colle à tête shot. Ils nous mettraient bien. J'ai envie de te suivre, je suis sûr, il y a des trucs. Il y a toujours des trucs là où il faut pas aller. Toujours. Hop là, on va essayer de save assez souvent, on sait jamais. Ils sont trop nombreux. Pour faire diversion. Le générateur, s'il tombait en panne, il viendrait jeter un œil. T'es plus petite que moi. Tu feras forcément moins de bruit. Super. Qui a vérifié les provisions en dernier ? Moi ? Pourquoi ? Tu te serais pas un peu servi, non ? Je peux savoir ce que t'insinues. Ah, ils se clashent entre eux. Exactement. Le générateur, il est juste en face. Et des médocs. Si c'est pas l'un de nous qui a fait ça, alors c'est qu'on avait. Allez, on passe au milieu. Let's go. Est venu ici. Ça sent pas bon. On va éviter. On était censé être en sécurité ici. Fais chier. Et le verrou que Joe a installé. J'en reviens justement. Il a pas bougé d'un poil. Ouvrez l'œil. Tenez-vous prêt à faire feu. Va falloir que quelqu'un aille avertir le boss. Le boss ? Le boss, c'est un putain de caissier. Et alors ? Tu crois peut-être que tu pourrais faire mieux que lui ? C'est pas du tout ce qu'il a. Ok, c'est ça. Je voulais simplement. Oui. Tu voudrais pas plutôt la boucler et m'aider à vérifier le reste des. Par contre, genre, c'est tellement cramé. Le générateur a lâché. Putain, ils vont foncer droit vers moi. Non. Il s'est éteint tout seul. Je préférais cette hypothèse. Putain, mais je suis bloqué. Merde, ils sont là. Quel enculé, il m'a laissé crever l'autre. Je fais quoi, même ? Montrez-vous et on vous fera pas de mal. Je crois que j'ai vu bouger un. Tu peux le savoir, Einstein. Si le générateur avait pété, il y aurait de la fumée. Bah, en tout cas, là, ouais, il marche pas. Là, c'est peut-être la sécurité. C'est peut-être un rat qui s'est coincé et qui a déclenché la sécurité. Un rat ? Ça devait être un putain de gros rat, alors. Bah, qu'est-ce que j'en sais, moi ? Quelqu'un se fout de notre gueule. Sûrement le même enfoiré qu'on a profité pour servir. Oh, mec, il est aveugle. Mais c'est quoi, ça ? Ah, il m'a vu. On n'aime pas les étrangers. Ne tue pas, ne tue pas, bro. Oh, l'enculé. Mais c'est quoi son plan de FTP ? Allez, on dit que tu vas faire une diversion dans un petit cul-de-sac, dans une salle bien bloquée. Et du coup, quand ils te foncent tous dessus pour te tuer, moi je me barre. On fait ça ? Oh, t'es vraiment un baiser. Moi qui commençais
à bien t'aimer. C'est quoi l'urgence ? Quelqu'un est blessé. Là, tu baisses dans mon estime. Hein, là. Ah, comment je peux le faire ? Faudrait que je ressorte vite. Comment je fais ? J'essaye de ressortir vite. J'aurais pas le temps. J'aurais jamais le temps. Ok, on va tenter ça. Ah mais y'a un conduit, putain, je suis con. Mon dieu, ce que je suis con, il y avait un conduit. Vite, on se barre. Ok, nice. On va attendre un peu. Non, c'est bon. Vite, 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 ils vont arriver. Il est passé l'autre, j'espère. Ouais, il est là, ça. Bien joué, Ripley. Voilà, fais pas de bruit. Ils sont encore dans le coin. Suis-moi. Là, je suis un peu en train de le carry quand même. Pas envie de dire, mais. Merde, il y a encore des gars. C'est encore loin. On y est presque. Le transit est juste. J'espère bien que ton vaisseau est encore là. T'imaginais pas Sébastopol comme ça, hein ? Je suis même pas censé être ici, tu sais. Mes papiers de sortie datent d'il y a une semaine. Eh bien, il y a des listes de courses. Allez, avance. Ça me bloque, c'est handicapé. Elle a plus de jus. Ces enfoirés nous ont barré le chemin. Merde. J'ai compris. Faut qu'on active les deux consoles en même temps pour l'ouvrir. Je me charge de celle-ci, tu t'occupes de celle qui est de l'autre côté. Ok. Ça devait pas être trop difficile, hein, écoute. Vas-y. Non ? Bon, bah vas-y. À 3. 1, 2, 3. Axel, derrière toi. Oh, mais mets-lui en turn, mets-lui en turn. Une bite, mon gars. Il est tellement une bite, Alex. Axel, je sais pas, je vais aller. Regarde comment je t'ai carré. Une sous-merde. T'as tellement fait de bruit. Ces potes seront là d'une minute à l'autre. Faut qu'on se casse maintenant. D'où tu parles mal? Putain, il avait pas une arme le mec par contre qu'on a tué. Mais cours abruti, pourquoi tu t'arrêtes? T'as buté ce type? Parce que sinon c'est moi qui l'allais tuer. Tu m'as sauvé la vie, Ripley. Mais parce que t'es une sous-merde. T'as pas été foutu de lui mettre un turn. Tu comprends ce que tu le mettais à 180, c'était ici. Oh, par contre, y'a l'alien là. T'as entendu ? J'entends quelque chose. Ok. Axel. Là, y'a l'alien. J'en ai sur moi. Oh, je vous l'avais dit à cet épisode. Oh putain, la violence. Oh, la violence du truc. On l'a même pas vu. C'était quoi ce truc? Oh, holy shit. Faut pas que je m'arrête. Du coup, je crois qu'ils ont arrêté de me chase. Là, on a un danger de type 10 fois plus dangereux que les autres. Oh putain, on l'entend partout. Ah, Nick Saras, comment on ouvre ? Ah, c'est un ascenseur. Ok. Bon. Les battements pas trop stressants, tu vois. Absolument pas stressant. Hein. Mais Nick Saras, il va arriver là. Putain, mais c'était tellement stressant. Ah, c'est tellement stressant. What the fuck?
Mais mettre une musique comme ça, il est là ou quoi? Rien qu'à la musique, ils me font trop peur, mec. Et vite, putain, vite. Mon dieu. Oh, les sons sont horribles. Mec, avec les sons, ils m'ont fait croire qu'il est arrivé, quoi. Ah, il y avait écrit quoi? Vous cacher n'est jamais une solution, quoi? Bah, faut que je lise ça, ça peut me sauver, hein. Par contre, j'ai rien compris. Hein. Ah, j'ai beau le dire, j'ai rien compris là. Ok. Donc, je vous rappelle, on essaye toujours de contacter mon vaisseau. Hein. Pour ceux qui ne suivraient plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Et on va faire ça. Ok, vous avez pigé. Il y a des zones où il n'y a pas assez de courant pour alimenter tous les systèmes. Du coup, il faut en désactiver d'autres pour pouvoir en réactiver d'autres. Tout ça, tout ça. Un syntoniseur. Il y a tellement de cachettes. Ça me fait trop flipper quand il y a autant de cachettes. Que ça va arriver. Maintenant je passe à côté des gens, je vérifie même pas s'ils sont vivants ou pas. Ah, c'est non, j'en suis plus à là en fait. Maintenant on gagne du temps, on avance. Ah ok, donc, ça servait strictement à rien en fait. Ça servait strictement à rien. On peut save là. Ils sont censés me prévenir pendant que je save s'il y a un monstre qui arrive. Hein, donc, en théorie. Torche à plasma. Vas-y, on va tester ce conduit. Hop là. On ressort la torche. Là, je me paume. C'est tellement... Mais il y a quelqu'un. Merde, elle est énorme. Ah, proche. Par ici, y a quelqu'un ici. Qui tarasse? Viens, viens ta gueule. Elle est où? La fuck, elle est où? Et où? Il est passé où? Ah, j'ai pas une arme par contre. Non, j'ai pas d'arme. Mais elle est où la fille? Elle a disparu? L'alien il a bouffé tellement vite, je l'ai pas vu quoi. Est-ce qu'il faut que j'aille là? Oula. Non, peut-être pas que j'aille là en fait. Ah si. Est-ce que c'est ça l'ascenseur qui... Un syntoniseur d'accès. Ah yes. Elle essayait de pirater la sécurité de l'ascenseur. Les circuits ont grillé, c'est du gâteau. Faut juste trouver une nouvelle cellule de données. Elle a l'air de s'y connaître. Hein. Ok, donc là on a le syntoniseur.
Sauf qu'il est cassé. Oui, je suis gentil. Bah, dis ça plus fort, tu sais, au cas où j'aurais pas entendu. Ou... Mais wesh! Je me fais défoncer! Vas-y, on va revoir cette salope là. Y'a moyen que je la tue ou pas? Mais mon personnage il est bloqué accroupi! Ok, elle est partie par là-bas. Cette fois, on récupère vite son truc. Et on se barre. Elle essayait de pirater la sécurité de l'ascenseur. Les circuits ont grillé, c'est du gâteau. Putain, je sais pas si je peux essayer de les tuer ou pas, les mecs. Une cellule de données. Ah, c'est peut-être là-dedans. C'était quoi ce hurlement? Je crois qu'ils s'en fait défoncer par l'alien ou par je sais pas quoi. Oh merde, je suis obligé de retourner en arrière. Les gars, je suis dead. À la limite, je peux peut-être utiliser la fumigène. Ah là, je peux en refaire un? Ah non, je peux pas afficher. Merde, il est juste. C'était quoi ce dégât? Je peux rien faire? Non. Je peux rien faire? Je peux rien faire? Je comprends pas. N'essayez pas de semer l'alien, c'est pas être perdu, mais tu vois, même les humains ils me butent. J'en suis même pas à l'alien quoi. On a bien compris que quand j'ai ramassé son truc, c'était le bordel. Vite, je vais me barrer. Allez, cours quoi. Regarde sur la map. Une cellule de données, c'est par là. Merde, c'est pas genre pile l'endroit par lequel ils arrivent. Ah non, c'est peut-être là. Avec un peu de chance, c'est là. Non, ça c'est là où j'étais avant. Merde, je crois que c'est pile là où ils sont. Ah mais je suis bête, il n'y avait pas des trucs pour me cacher. Des trucs pour se cacher. Et on va essayer de retourner en arrière. Ils sont au moins 3. Oh merde, non, tout ferme pas. Merde, ils sont au moins 3. Faut que je réussisse à monter. Vas-y, ma gueule. J'arrive pas. Nice, la porte est ouverte. Non, c'est ça qu'il fallait faire. Attendez, je crois que j'ai entendu quelque chose. Quelqu'un. T'as rien entendu du tout, enculé.
Mec, il était en face de moi à 1 mètre. Mais dis-moi qu'il m'a pas vu. Si je survis, les gars. C'est relou. Bon, j'ai trouvé comment faire, je m'en bats les couilles. Ah, faut peut-être que je les tue, hein, je sais pas. Je pense pas, vu comment il me tue vite. Mal. On l'a pas vu. Et le Renoir, je sais pas ce qu'il fait. Ouais, je vais tenter. Ma seule chance. Impossible. C'est trop dur. Oh, ça passe. Je dégage. Oui, dégage. Non, pas de mytho. Oh, fais chier. J'allais lui foutre un coup de molette. Ah, j'ai peut-être une chance. C'est chaud, mais j'ai peut-être une chance. Ça peut passer. Oh, cours, 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 cours. Non! Putain, non! Oh, j'y étais. Oh, putain, j'y étais enfin. Oh, il a pu me voir. Dis-moi qui m'a pas vu. Merde, il est où? Et merde, j'ai raté mon créneau. Tu vois. Reste éveillé, du con. Si on doit s'en sortir, tu me seras plus utile en vie. Oh putain, je l'ai eu. Ok, fallait les tuer en fait. Les enculés. Tu rêves? Hors de question que j'aille par là. Elle a pris ton outil de piratage. Oh, j'ai réussi. On va trouver un autre chemin. Ça fait trop longtemps qu'on vit ici. Oui, cassez-vous. Oh, oui, oui, oui. Cassez-vous, lourdi. Oh, merde. Du coup, je vais peut-être retourner avec les autres gens, hein. Oh merde, vous l'avez vu passer. Putain, yes. Putain, j'ai réussi. Oh, je vous avoue que j'ai rarement autant de galeries pour passer un moment dans un jeu comme ça. Putain, fallait vraiment les tuer en fait. Fallait leur péter la gueule, quoi. Eh ben, je pensais pas qu'avec une clé à molette,
Oh putain, on va sauvegarder tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, on sauvegarde. Immédiatement. Et si l'alien vient me faire chier? Putain, vous l'avez vu l'alien? Il m'a fait peur. Il est passé au monde, enfin. Il est passé au fond en mode ninja. Pas du tout rassurant. Par contre, heureusement qu'ils m'ont pas poursuivi, hein, parce que sinon j'étais bien dans la merde, je pense. Alors, on va quand même aller voir là si on peut faire un truc. Niveau de sécurité trop élevé, carrément. Carrément. Mais en fait, j'ai tellement peur d'aller par là. Bah merde. Je suis bloqué ou quoi? Et où la carte? Ouais, elle est là. Oh yes! Oh, je pèse! Sélectionné dans le menu radial. Fumigène revolver. Ah, mais c'est comme ça qu'on l'utilise, putain. On peut pas viser par contre? Ah ouais, c'est bizarre. Très bizarre. Ah, elle est là, la carte. What the fuck? Mais what? Blague ou quoi? Ah, elle est là. Ah, je me fais troller par ce jeu. Du coup, le medikit, faut juste faire ça, en fait, pour l'utiliser, non? Oui, voilà, c'est ça. Bah, je comprends pas, j'arrive pas à utiliser le medikit. Voilà, je comprends pas. Bref. Il va me tomber dessus l'alien. Il va me tomber sur la gueule. Il y a un magnifique cadavre au bout du couloir. On va le laisser tranquillement. Et on va se concentrer sur la mission. Inventaire plein. Oh, bon sang. La boîte noire. Oh putain. Quoi? OMG. Non. Oh merde, ils l'ont vidé. Alors là, elle a bien le seum, quoi, du coup. Concentre-toi. Accès non autorisé détecté. Verrou de sécurité enclenché. Veuillez patienter pour vérification de sécurité. Oh, fuck. Qu'est-ce qui se passe? Putain, merde, la boîte noire, elle est vide. Putain, ma meuf, elle doit tellement rager, genre... Toutes ces années de recherche. Et là, elle arrive, fichier corrompu. Et là, tu fais. Bruh. Yes. Ça, c'est réparé. Ok, donc j'ai que l'accès au niveau 1. Ok, c'est bon ça. Ça, c'est très bon ça. C'était bizarre. Bah écoutez, on one shot des piratages. Hein. On est un mec comme ça. Bah, c'est pas trop dur ces trucs. Oh, un joli tapis. Hein. Un joli tapis. Marshall Waits, ici Chief Porter de l'assistance technique. Écoutez,
assurances à quoi voir, Waits. Je sais pas combien d'accords de confidentialité d'entreprise on a bafoué pour en arriver là. À part le logo de la Wayland Yutani et un affichage vide, yet. D'un autre côté, putain, lui, il est mal. Les classes sont faites pour durer. Alors, souhaite personne à bord du Nostromo à faire en sorte que la grenade aveuglante. Oh, ça, ça peut être bien, ça, putain. Merde, j'ai pas les trucs pour faire. Dommage. Ah, lui, il s'est fait défoncer. Hein. Il s'est fait défoncer. Alors là, viennent évidemment. Donc on va se quitter là. J'espère que ce deuxième épisode vous a plu. Je vous avoue que j'ai tellement galéré. J'ai honte de moi. En fait, fallait juste les tuer. Et on a vu pour la première fois l'alien qui nous a fait un petit bain de sang assez propre, tu vois, assez clean. On n'est pas déçus. Alors j'entends des petits bruits à droite, ça fait plaisir. Donc voilà, j'espère que ce deuxième épisode vous a plu. Le troisième arrivera normalement dans un peu plus de temps. C'était Tips Iron. Je vous dis à la prochaine, les gars. Allez, ciao tout le monde.